Eh bien oui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire. Bon, ça fait un an que c'est sorti, mais voilà, enfin ça va arriver sur ma chaîne. Donc voilà, donc cette vidéo j'avais vraiment hâte de la faire, donc on va commencer. Comme vous avez pu le voir, c'est le casque de réalité virtuelle, donc sur PS4. J'ai voulu prendre l'HTC Vive, mais vous savez très très bien que les prix sont très très chers. Donc voilà, donc on va commencer évidemment avec une webcam, la dernière webcam j'ai dû acheter parce que je n'avais pas de webcam, et ça se joue avec la webcam. Donc on va déballer tout ça, donc c'est parti, on va essayer de pas casser. Nous avons la webcam, voilà, donc dans son papier, on va l'ouvrir de suite. S'il faut pas de la faire tomber, ça c'est quoi? Ça, voilà, ça c'est pour l'approcher à votre télé ou à votre meuble, suivant où vous voulez le poser. On peut pas juste à côté de moi, mais à mon avis, je vais pas trop m'en servir. Voilà. Nous avons la webcam, voilà, donc ça je pense que c'est la dernière, comme vous pouvez le voir. Elle se tourne, bon, pas non plus 360, mais elle se tourne. Je sais pas si vous allez voir, je vous le montre. Voilà, hop, droit, hop, repencher et repencher de l'autre côté. Je vais enlever le papier qu'il y a dessus. Déjà, waouh, déjà quand on l'a. Oh là là, elle est très 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 belle. Très 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 belle. Hop, waouh. S'il te plaît, enlève-toi. Voilà. Ça, je mets ici. Franchement, elle est classe. Elle est classe. Elle est classe. Elle est classe. On va pas se mentir. Donc, c'est la dernière de chez Sony. Voilà. Avec les deux webcams qui sont juste ici et ici. Bon, le câble pour le brancher USB, je suppose. Je suppose que ça doit être un point. Un point, ouais, voilà, si, non, c'est même pas, je sais même pas ce que c'est comme un point, mais voilà, ça c'est pour brancher à la PlayStation, ou comme vous avez, je sais pas si vous allez le voir, il y a le logo de la PlayStation, donc je vais enlever les protections, voilà, et voyons voir s'il y a, alors franchement, déjà, parlant du design. En noir qui est assez cool, les traits, je sais pas si vous le verrez, mais il y a des traits là. Voilà, c'est un petit carré, ça fait vraiment des petits carrés. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 carrés avec l'alimentation qui est ici, qui est très très joli. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Après, bon, il y a la notice, donc ça, je pense que. On va pas la lire, enfin on va pas la lire. On regardera ça un peu plus tard. Et nous voilà au joujou, voilà, au joujou de la chaîne. Donc le deuxième joujou, parce que voilà, la chaîne drone, et on va passer au deuxième joujou, donc le PlayStation VR. Donc c'est parti, musique épique. Voilà. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Alors déjà, question de boîte, assez cool, pareil, voilà, toujours les couleurs de PlayStation, le couleur bleu, là vous avez hop, son logo PlayStation avec PlayStation VR marqué, il y a marqué, ça je sais pas ce qu'il y a marqué, il y a marqué quoi? PlayStation 4, PlayStation 4, voilà, PlayStation, avec sa caméra, une manette, ils disent, et je suppose que c'est la PlayStation qui est en carré, juste ici. Bon, après, on va pas trop s'attarder sur la boîte, mais de toute façon, on voit vraiment que c'est aux couleurs de PlayStation. Hop. Donc là, on peut voir que sur ce côté, il y a Sony, toujours, la personne avec la manette et le casque VR. Là, les jeux qu'il va y avoir, donc Resident Evil, Sport, donc c'est un jeu de course de voiture, un jeu de course, Batman Arkham VR, Riggs, voilà,
Là, il y a d'autres jeux inclus, voilà, prix démo, ils disent il y a beaucoup de jeux à télécharger. Bien évidemment, il y a des gratuits, il y a des payants, bien sûr. Donc moi, j'ai téléchargé aujourd'hui des jeux gratuits pour l'instant. Il y a un jeu que j'aimerais bien m'acheter, donc je pense que ça... beaucoup de personnes auront fait des vidéos dessus, mais je trouve ça, ce jeu, assez marrant, donc du coup, je vais vous le faire pour vous, sur ma chaîne. On s'attarde pas plus sur la boîte, on va ouvrir tout simplement ça. Allez, c'est parti. Essaye de pas le casser, non. On l'ouvre. Allez, s'il te plaît. Hop. J'essaie d'enlever le... Ah, voilà. Oh, non. Ça y est, je l'ai déchiré. Comme d'habitude, je n'arrive pas à faire un unboxing parfait. Mais bon, tant que la chose... Waouh. Ah, les gars, franchement, quelque chose de présentation, mais c'est un truc de ouf. C'est la présentation, elle est dingue. Si j'arrive à ouvrir la boîte, voilà. Formidablement, on a mis la chemise pour cette ouverture. Oui. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Franchement, je vois pas. Hop. Je sais pas si vous allez le voir vraiment. Donc ici. Et d'abord, on a toujours le logo PlayStation qui est ici. Donc je sais pas si vous allez le voir vraiment. Parce que c'est un blanc et un blanc un peu plus foncé, le blanc. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais bon. Donc là, nous avons la notice. Hein. Voilà, la notice du PlayStation VR. Hop. Donc ça, on s'attarde pas dessus. On regardera au montage. Là, nous avons le premier câble, je suppose. Hop. Ouais. Nous avons un câble. Ben, le câble d'alimentation. Voilà, je pense que c'est ça qui sert à l'alimentation. Le VR. Après tout ce qui est câble, on va pas trop s'attarder non plus. Hop. C'est juste pour vous montrer à peu près à quoi il ressemble, même si vous l'avez déjà vu. Et là. Waouh. Waouh. Est-ce que. Il y en a d'autres? Ouais, ça c'est encore un boîtier. Est-ce que je peux l'ouvrir? Hop. Wow. Franchement les gars, il y a toujours le câble de l'alimentation, pareil, USB et mini USB, voilà. Hop, donc ça on va le laisser dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut, il y a un petit boîtier, voilà, il y a pour relier, vous avez vu sûrement déjà des vidéos de unboxing, mais moi ce qui me tarde vraiment c'est pas ce que je vous fais aujourd'hui en unboxing, mais si ça me tardait pour l'ouvrir, surtout pour voir le VR. Et c'est surtout de le tester, voilà. Hop, on continue. Là. Donc là, nous avons encore des notices. Voilà, donc ça sur le côté. Waouh. Alors, PS4, PlayStation VR. Alors ça, c'est un CD. Où nous avons des démos, voilà, des démos pour tester le VR si vous n'avez pas acheté encore de jeu. Try-in, ok, démo, ouais, c'est ça, c'est un... Donc ça c'est cool, franchement c'est bien pensé d'avoir mis un CD où il y aura... combien il y a de jeux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 jeux, je pense qu'il y a 8 jeux. À tester, donc il n'y aura pas de souci pour faire ça sur la chaîne et il me tarde vraiment de le mettre et de le tester. Waouh, ça aussi c'est bien pensé. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffon. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais je vais pas l'ouvrir pour l'instant. C'était un chiffon pour nettoyer justement le VR, les vitres du VR. Donc ça c'est cool, c'est bien pensé. Donc merci PlayStation parce que ça aussi c'est très très chiant quand c'est très sale. Donc une notice de plus, je vais mettre toutes les notices ensemble. Voilà, le CD aussi. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore des câbles et des câbles. Et des câbles. Hop.
Donc là, ça y est, donc là, on va passer au VR. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je l'ai mis par terre parce que, hop, donc quand on l'ouvre, hop, on va essayer de pas l'abîmer. Hop, il y a encore une boîte, voilà, on met aussi là. Et là, on passe au VR. Waouh, assez léger. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh. Alors depuis que je vois tous ces casques VR et tout ça de réalité virtuelle, il me tardait vraiment d'en avoir un et puis de le tester quoi. Donc toujours un câble, hop, toujours un câble derrière. Alors ça c'est le câble son, voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Alors ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est que c'est numéroté. Donc je pense que sur un outil ça doit être pareil, donc ça doit être numéroté. Donc c'est bien pensé pour pas s'embêter. Il y a des petits numéros, voilà, pour le brancher, donc ça doit pas être aussi compliqué que ça. Et là nous avons le casque de réalité virtuelle. Waouh, j'ai peur de... Sincèrement, on va prendre la boîte. Déjà la boîte franchement elle est classe. Déjà elle a bien de protection et tout ça. J'ai pas envie de le casser, donc je vous le montre. Voilà, donc c'est le casque de réalité virtuelle. Vous avez dû... Hop. Oula, je sais pas ce que j'ai touché là. Oh non. Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok. Ouais. J'avais peur de l'avoir cassé, mais en fait non. Donc on va le mettre. Donc voilà, donc c'est maintenant qu'on le met. J'ai failli le faire tomber. Donc c'est très pensé, c'est très bien pensé ça, c'est le câble VR, donc derrière, le câble juste ici, hop, vous voyez pas, mais je vous montre juste après, donc là on va le mettre. Donc alors soi-disant, la coupe c'est fini une fois que vous avez mis le VR, donc je le mets, c'est parti. Je peux pas plus les câbles. Ah si, nickel, nickel. Évidemment, ma petite, j'ai peut-être une petite scène, mais c'est peut-être trop serré. Et du coup, je peux pas le rentrer. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous êtes vraiment dit, mais si vous êtes vraiment dans le jeu quoi, en fait, moi j'ai le temps vraiment de le tester dans un jeu. Je le testerai dans une prochaine vidéo. Donc comme je vous ai dit, en fait ici voilà, pour le régler tout simplement vous avez appuyé là et tourné cette, hop là, cette roulette, voilà, tout simplement droite ou à gauche. Pour les lunettes qui est assez cool, donc je verrai ça avec mon père parce qu'en fait il porte des lunettes et du coup je vais voir si bon, par contre je le filmerai pas, mais je vais voir si avec les lunettes on peut vraiment bien le régler, si les lunettes bougent pas, parce que soi-disant ça a été bien pensé pour les personnes qui ont des lunettes que ça bouge pas, voilà. Donc ça je le testerai et je vous le dirai à la prochaine vidéo.
Donc voilà, donc le casque enfin de la réalité virtuelle, donc il me tarde vraiment de le tester, comme je vous répète souvent dans cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez kiffé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, unboxing. Il y a beaucoup, énormément de vidéos sur là-dessus. Alors on va pas le casser, hop, on va le mettre à côté. J'ai pas envie de casser parce que 300 boules ça fait mal quoi. Je disais voilà, j'ai voulu une casque réalité virtuelle parce que quand je vois dans les salons, quand je vois, j'ai vu des vidéos, j'avais envie de tester. Ça va faire peut-être un an, ça fait peut-être, oui, je suis vraiment en retard, vous allez me dire. Mais c'est pas ça, l'essentiel c'est que nous sommes toujours dans le jeu et ça, ça fait toujours plaisir. Donc merci, merci la technologie, hein. Merci. Il me tarde vraiment de les tester les jeux. Et puis vous avez vu beaucoup énormément de comment le brancher, comment faire enfin, d'unboxing et tout ça. Mais je voulais vraiment juste vous faire le unboxing du casque VR, voilà. Même si vous en avez vu déjà. Mais je voulais le faire parce que je trouvais ça kiffant de vous le montrer. Et puis voilà. Donc je vous montre pas la phase branchement. Je vous montrerai la phase la prochaine fois pour jouer au VR ensemble. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous les potos, vraiment mettez un maximum de pouces bleus. Donc j'essaie de trouver de nouveaux concepts de vidéos, que ce soit gaming, que ce soit vlog, etc. J'essaie de trouver un peu de tout. Donc voilà, lâchez le commentaire, lâchez le petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner et à le partager, cette vidéo de la réalité virtuelle. Donc je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez un et quel jeu je pourrais vous faire. Il n'y aura pas de soucis, dites-le moi. Tous les jeux, voilà, dites-moi, vous mettez jeu, enfin, Fatal, du carton, tu pourrais, ou Fatal, tu pourrais nous faire comme jeu, je sais pas les jeux qu'il y a, tel jeu, tu pourrais mettre tel jeu, voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on y va, c'est parti, je vous laisse. Très bonne fin de soirée, très bon après-midi, très bonne matinée, très bon appétit, voilà, alors qu'on aura des jeux, je ne sais pas. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour le jeu VR. C'est parti, bon gaming, bonne vidéo à tous.